On cherche maintenant à calculer la médiane, sachant que l'effectif total est 22. C'est indispensable pour déterminer la médiane. Eh bien, on va chercher la valeur de la série, quand elle est classée par ordre croissant, qui sépare en deux groupes de 11. Dit autrement, je voudrais classer ma série avec 11 notes et 11 notes par ordre croissant. Ici, là, la plus petite et là, la plus grande. L'effectif cumulé croissant me permet de le déterminer un petit peu. Quelle va être la 11e note de ma série classée par ordre croissant? La 11e note qui va être là. Je vois que il y a 12 notes qui ont 12 élèves qui ont une note inférieure ou égale à 3. Donc la 11e note ici est un 3 et la 12e note est un 3. Entre le 3 et le 3, quelle est la seule valeur qu'on peut trouver? Ça va être 3. Donc on pourrait conclure, ceci est un brouillon, que la 11e et la 12e note dans la série classée étant 3, la médiane vaut 3 exactement.